comment il est la réunion bonjour à toutes euh, les pour nous de parler de cuisine euh, nous de pays euh, la réunion et aujourd'hui nous va faire à il va faire à un petit boucané aux lentilles euh, mi rappelle à zotte les lentilles c'est un affaire les très bons pour la santé les bons on a beaucoup de fer à l'intérieur euh, nous n'a plusieurs types de lentilles mais moi, on a pris le lentille standard on a aussi le lentille de silaos euh, N'a a une AOP comme mi dirait mais les hors de prix quasiment près de 15 à 20 euros le kilo euh, les assez compliqué donc si ça tu veux aller acheter ce type de lentille là pas de souci. Euh, par contre la lentille de silaos, par rapport à la lentille conventionnelle que nous trouvons là la lentille de Sillaos c'est en 2 minutes elle est cuite pas si tôt que la bouille pas si tôt que l'huile est cuite et puis c'est une lentille que, qui rend euh, beaucoup hein. euh, pas besoin beaucoup de lentilles pour avoir, euh, pour avoir de la quantité une petite tasse euh, de 150 grammes elle en a pour au moins 300 grammes de lentilles à l'intérieur euh, moi on a choisi de faire ça avec du boucané alors le boucané euh, pas besoin d'expliquer à un petit peu ça il sort m'a fait tellement c'est que ça le boucané euh, que là aujourd'hui nous va prendre un petit boucané euh, pas trop gras pas trop maigre hein, et puis euh, la viande euh, le boucané s'il est trop maigre il n'est pas trop gaillard il faut juste mettre un petit peu de gras dedans pas trop trop hein. euh, essaye de trouver un boucané euh, assez correct dans une charcuterie euh, qui fait du traditionnel s'il est possible mais malheureusement il euh, est assez euh, compliqué dans notre pays euh, la réunion vu que tout le monde est couru euh, il court vers l'industrialisation et euh, tous les boucanets que nous n'aimons actuellement, euh, sauf euh, c'est atteint dans des quartiers assez éloignés, nous pourrions peut-être trouver, mais il euh, est assez dur quand même. Le boucanet euh, standard, comme il donne azote à terrain, c'est vrai, là aussi, le boucanet standard, il faut faire très attention. Euh, quand on y prend dans les euh, supermarchés ou euh, dans les euh, commerces, le boucanet risque de poser des soucis. Euh, vu que euh, des fois, s'il est trop vieux, euh, bah, la graisse, elle a un peu marre à l'intérieur, elle est dégueulasse, il n'est pas mangé du tout. Donc, euh, essaye de causer avec le bouc qui vend ça, la charcuterie là-bas. Posez la question euh, un petit petit doucement, pas trop fort. Vous euh, allez voilà, quand on voit le boucané il est un peu trop sec dedans la vitrine, évite de prendre parce qu'il n'est pas trop, trop gaillard du tout. Le boucané, il fait bouillir 15 minutes environ. Et puis, euh, dans ce boucané-là, il va ajouter 1 à deux gros oignons qu'on la couper en fines tranches que vous il là. Voilà, on va du thym à l'intérieur. Euh, ce qu'il faudrait peut-être faire attention, c'est le sel hein, dans le boucané, parce que le boucanet, il, il est assez salé. Euh, 15 minutes, à mon avis, il est assez correct pour faire bouillir à lui. Là. Donc euh, là, comme vous l'avez vu, il est bouillé, il est déjà cuit, il y a bien des salés. Et puis, euh, quand ça, tu fais boucané dans le lentille, euh, c'est la même technique de, de pour faire, mais la cuisson est différente hein. quand on le fait dans un poids ou dans un haricot. Euh, donc, elle est, est assez, différent. différente. Hein. Donc, il fait pareil. Euh, le temps de cuisson euh, du boucané là aussi, ben, disons, il reste pareil. Mais par contre, ce qu'il faut faire très attention euh, là-dedans, euh, c'est euh, quand on tire roussie boucané. Alors, quand tu tire dans le boucané, tu as tu le grain. Et là, faut faire très attention que le grain est bien cuit. Parce que si le boucanet cuit trop, euh, la graisse n'a tendance à avoir un goût assez bizarre. Hein, donc, euh, euh, moi, on m'a remarqué ça depuis pas mal de temps. Euh, là, on a ajouté euh, les épices comme il dit à Oula, euh, On a ajouté aussi une grosse branche de thym à l'intérieur. Nenavadianou, il fait boucané lentille. Il ne met pas aucun épices dedans. Il aussi le boucanet mettre dedans. Mais moi, je m'habitue à faire comme ça. Et c'est vrai que dans le boucanet, il y en a des épices. Et c'est un peu comme dans la saucisse, hein, la saucisse aussi. Bon, ils ne mettent pas là, ils ne mettent pas ici, ils mettent pas là-bas. Mais si vous verrez la, le, le boucané de maintenant, et les saucisses de maintenant qui vendent à nous, euh, ben, si vous ne pas l'ail dedans, vous ne mettez pas un peu d'ingrédients, de, à moins que de tomber sur la PLRA, la charcuterie rare, elle euh, est assez compliquée ici à La Réunion maintenant, hein, vu que la manière qui tourne là. Euh, l'ail, ils nous la mettent un peu dedans, on la mettre un peu de l'ail dedans et on la ajouter du poivre dedans. Hein, donc euh, le poivre dans l'ail donne un bon goût euh, aux grains. Et euh, Nena va dire moi aussi qu'il faut mettre du gingembre. Donc euh, soit vous mettre le poivre euh, ou soit vous mettre le gingembre. Hein, en tous les cas, tu euh, peux mettre les deux si tu veux. Mais après midi, euh, moi personnellement, quand les trop il euh, n'est pas trop trop euh, gaillard, hein, Donc et puis ne n'aime pas trop trop euh, les épices. Voilà, le boucané comme je t'y vois là, les lentilles malin fait cuire les lentilles standard, et cuit vite quand même. Il hein. n'a pas besoin de cocotte pour faire cuire ça dans une marmite. Je vous ajoute euh, euh, la lentille euh, avec beaucoup d'eau. je t'y fais bouillir pas si tôt que les bouillent. En règle générale, euh, bon, en 10, 10 minutes, 10, 15 minutes, ben la lentille cuit assez vite. Là, on a ajouté un petit peu de curcuma. Euh, le curcuma, il est important dans la vie de, 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 de la, dans la cuisine réunionnaise, surtout. Hein. Et nous, nous mettons toujours ça dedans. Et, et il faut choisir, comme il dit toujours, un bon curcuma pour faire le, les affaires ensemble. Il donne à zot un bon goût. Alors là, les lentilles, vous de la vue. Il y a vienne il bah, bouille. Euh, après, si vous euh, la laisse trop frais, dit, pas trop gaillard, lentilles, lentille, faut que est chaud Quand on vide dans la marmite comme ça, euh, de façon qui n'arrête pas directement la cuisson, parce que là, il mettent le lentille frais de l'autre côté là-bas, ou sinon, ça, y acheter de lentilles en boîte. Après, vide dedans lentille, les euh, les frais, les pas gaillards. Euh, ce qu'il faudrait faire avec les lentilles quand elles sont comme ça, c'est réchauffer un petit peu, ajouter un peu d'eau dedans. Euh, pour euh, justement euh, gagner un peu de sauce et puis euh, de, de faire en sorte que les étions vite dans le boucané, j'en euh, ai un peu de sauce en dedans. Euh, il faut prendre son temps, comme il dit euh, dans la cuisine réunionnaise, hein, il ne faut pas dire que nous ça va très très vite, hein, et puis euh, allez-y doucement. Et il faut faire très attention. Le lentille est un peu comme le pois, les haricots, tout ça. Il faut laisser un peu de sauce dedans. Euh, il faut laisser un peu de bouillon quand, quand il cuit comme ça là, parce que ben, quand il ferait dit ben il sec, les, les les protéines, les amidons, tout ça là, il, il resserre. Donc il fait une pâte. Donc euh, il faut mettre, laisser un petit peu d'eau dessus. Euh, le lentille boucané, euh, ben ça c'est un plat. Euh, que nous mangeons souvent ici euh, dans notre pays, la Réunion. C'est un plat euh, assez festif. On peut manger ça... Euh avec, euh, il un bon salade verte, il passerait très très bien. Et puis, euh, comme midi azote l'acidité aussi avec euh, un sauce piment ou euh, un petit rogaille brin gel aussi, il euh, n'est pas mauvais. Après, là, certains vont dire, moi, rogaille brin gel, ne passe pas trop parce que nena a déjà euh, des, euh, des fibres dedans. Donc, euh, voilà. Et puis, le brin, le, les, euh, les lentilles, euh, néna a une grande histoire ici à La Réunion. Nous, comme nous, t'es petit, t'es fait manger à nous bon peu lentilles. Hein. Les parents, mangent bon peu lentilles. Les bons pour le sang, euh, les bons pour les personnes, les anémiques. néna hein. a des problèmes euh, d'anémie. Donc euh, si vous êtes euh, euh, il faut manger euh, des lentilles et le lentille euh, certaines personnes m'avaient vu euh, m'avaient regardé un petit peu dans des études là été été euh, le lentille pourrait remplacer euh, de la viande par rapport aux protéines que nena dedans en tous les cas, euh, là, ze, pour être servi en protéines, je les servir en protéines. Hein, parce que nous de du boucané, euh, de la viande, qui est riche en protéines. Et nous aussi euh, les lentilles euh, à l'intérieur, qui est riche aussi. Vous l'avez vu là comment il est là, comme ça. Là, là, en règle générale, il n'est pas mauvais du tout. Hein, donc euh, il faut laisser à lui euh, de façon que lui coule un peu dans euh, nos dans autres cuillère Et puis, si vous autres, veut mettre à lui euh, sec. Euh, euh, si Zotil veut faire sec un peu plus, quitte Azote de faire sec, mais à ce moment-là, quand il va Freddy, Zot va voir, enfin va falloir rajouter un peu de l'eau euh, à l'intérieur. Voilà, Car il anti le, le boucané comme il disait Azot là il passe avec tout hein, il passe avec le poids, il passe en rouga, il passe avec toutes sortes de à d'affaires et pour euh, l'histoire du boucané mais c'est un idéalement boucané de la Réunion le boucané a été importé hein, au tout début par euh, des bateaux que tu voyages entre euh, l'Amérique du Sud euh, le Mexique tout ça la débarque un peu la Réunion la porte de boucané parce que longtemps la viande était cons conservée pas du tout bah, il fallait boucaner ou sinon ça salait euh, pour pouvoir être conservé. Voilà, la recette l'a finie, merci à toutes d'avoir suivi ça, tiens beau, largue pas, à bientôt pour une nouvelle recette